Caroline de Monaco a organisé le traditionnel bal de la rose, samedi 25 mars 2023. De nombreux membres de la famille princière de Monaco étaient présents. Les femmes ont fait sensation. C'était l'événement à ne pas louper pour être vu aux côtés des membres de la famille princière de Monaco samedi 25 mars 2023. Il s'agit du bal de la rose qui s'est déroulé dans la luxueuse salle des étoiles au Sporting de Monte-Carlo. Pour rappel, il s'agit d'une soirée au profit de la Fondation Princesse Grace, aujourd'hui présidée par Caroline de Monaco. Pour l'occasion, cette dernière a pu compter sur le soutien de sa famille mais également de Christian Louboutin, qui a relevé le défi d'organiser toute cette soirée sur le thème Bollywood. Les invités ont également joué le jeu. Ainsi, les femmes de la famille princière étaient resplendissantes dans des tenues à paillettes pour les unes ou à volant pour d'autres. La fille aînée de la regrettée Grace de Monaco a été soutenue, lors de son événement par ses enfants dont sa Charlotte Casiraghi, qui était sublime dans une longue robe aux bretelles fines signée Chanel. Sa sœur, Alexandra de Hanovre, avait opté pour une robe noire. Les deux garçons de Caroline de Monaco étaient également de la partie, accompagnés de leurs femmes respectives. Ainsi, Pierre Casiraghi avait à son bras Béatrice Borromeo, qui était tout simplement radieuse et pétillante. L'absence de Charlène de Monaco n'est pas passée inaperçue. Andrea Casiraghi était lui avec Tatiana Santo Domingo, tout aussi magnifique. Bref, les femmes de la famille princière de Monaco ont fait le show pour le plus grand bonheur des nombreux photographes présents sur le tapis rouge pour couvrir l'événement. Une grande absente est tout de même à relever, celle de Charlène de Monaco. En effet, le prince Albert de Monaco avait également fait le déplacement, mais seul. I think